Good morning, Alei, dernier sujet aujourd'hui, le Nishmat Adelbat Solta Rab, le Bet Vanish, Claude Shlomo Ben Shalom, David Mazalou Fritna, Lucienne Batreina. Si vous souhaitez aussi une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles. Nous étions Sechet Nazir, Perektet, Mishnah Gimel Amotsemet, Batechila, Mushkav, Kedarko, Notlo, Ve'et Vusato, Matzashnaim, Notlan, Ve'et Vusatan, Matzashlosha, אם יש בין זה לזה מארבע אמות ועד שמונה אמות, הרי זו שכונת גברות, בודק ימינו ולהלן 20 אמה. מצא אחד בסוף 20 אמה, בודק ימינו ולהלן 20 אמה, שרק למען הדבר, שאילו מתחילה מצאו נוטלו ואת תבוסתו. On va voir deux Mishnah maintenant, celle-ci et la prochaine. Qui n'ont pas de rapport avec Nazir, mais juste que dans le Mishnah précédente, on t'a prescrit d'adopter une certaine conduite parce que Raglaim Ladavar, il y a Raglaim Ladavar, ça veut dire précisément, on va l'avoir cette expression, je l'explique un peu. Raglaim Ladavar, ça signifie il y a des pieds à la chose, littéralement, c'est-à-dire qu'il y a des traces, il y a de quoi soupçonner, il y a une probabilité logique, et c'est pour ça qu'on a été Mahmir, et ainsi de suite. Suite à ça, on va entrer dans une Mishnah avec un sujet qui concerne plutôt Maseret Ohalot. En l'occurrence, Amotse Met Batechila Mushkav Kedarko. Imaginez, on a entrepris des travaux de rénovation de la rue de chez moi là-bas. Et pendant qu'on creuse, on rencontre qu'il y a un mort enterré en plein milieu. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va laisser le mort en plein milieu de la rue? C'est une galère, parce que les Kohanim ne pourront plus passer. Enfin, alors là, on va voir quelle conduite adopter. Je vous explique le principe d'abord. Un mort, lorsqu'on l'a enterré dans un vrai kever, l'endroit où on l'a enterré, c'est son lieu de résidence jusqu'à la résurrection des morts de l'Hachem, que ça arrivera bientôt. Et c'est là où il reste. On n'a plus le droit de le sortir, on n'a plus le droit de le bouger, c'est à lui. Il a ses quatre amotes, même si ça nous dérange. Suite à ça, il y a eu des tas de manifestations en Israël à toutes sortes d'occasions, quand ils ont voulu construire la question, la shruna de Ir David, et de reconstruire le Gvish, la route 6, vers le nord, là-bas, et ils creusent, ils creusent, ils arrivent qu'il y a des morts. Qu'est-ce qu'on fait avec ces morts, là, maintenant? Bien sûr, bien évidemment, ceux qui n'ont pas tellement de cœur juif, pas de problème, de toute façon, le mort, il est mort, on comprend et on le déterre. Et du coup, ceux qui ont le cœur juif, alors ils se réveillent, ils disent, mais ça va pas la tête ou quoi? Il y a de la vie dans cette mort. Il y a une neshama, on ne peut pas toucher, si c'est à lui, c'est à lui, on n'a pas le droit de le déranger. Et suite à ça, il y a des grosses manifestations, essentiellement la Netour et Karta, c'est eux qui défendent particulièrement ces causes-là. En tout cas, je reviens maintenant sur le sujet. Donc le principe, il est, lorsqu'il y a un mort, c'est, si il a réellement été enterré ici, c'est à lui. Seulement, il faut savoir, pas tout mort qu'on trouve enterré, il a réellement été enterré ici. Parce qu'il y a des situations où, par exemple, on était à la veille de Shabbat, il a vite fallu enterrer les morts. Malheureusement, quand il y a eu toutes sortes de morts, ils se détériorent très vite, et ils développent des odeurs, puis ensuite des maladies, et toutes sortes de... Donc, pour ne pas laisser un mort à terre nue, et que Chas v'Shalom, ça peut ensuite pourrir et devenir infect, et on ne peut plus l'approcher. Donc du coup, on l'enterre momentanément avec intention de revenir le prendre après le Shabbat, ou dès qu'on aura l'occasion, imaginez avec des sirènes par exemple, on ne peut plus l'enterrer, on ne va pas le laisser, alors vite vite on va le mettre quelque part, et on va repartir. C'est comme ça que ça se passe. Alors le principe maintenant il est comme ça, lorsque on creuse une rue, ma rue c'est pas un cimetière. Le cimetière à Jérusalem, il y a Aram Menuchot, Arazetim, il n'y a pas la rue où j'habite. On a trouvé un mort en plein milieu. Alors peut-être que quoi? Alors venez, on va maintenant commencer à philosopher, à réfléchir, qu'est-ce que ça peut être? De deux choses l'une. Soit il y a eu un accident il y a 700 ans, par exemple, ou il y a 400 ans, et d'abord, premièrement, peut-être c'est même pas un juif. Donc si c'est pas un juif, si c'est un goy, on le déterre, on le met là où on veut. Si c'est un juif, alors là, c'est attention, peut-être qu'il a été enterré momentanément. Ou peut-être qu'il a été enterré parce qu'en réalité, il y avait ici un cimetière. Allez savoir qu'est-ce qu'il y avait il y a 700 ans ici. Si en fait c'était pas, il n'y avait pas une ville à côté, et puis ce quartier-là, c'est tout un quartier de cimetière. D'accord? Donc il va falloir maintenant présumer,
prétendre, faire de la probabilité, de la statistique. Mais pour le moment, alors le principe, je vous dis, c'est simple. Tant que tu trouves un mort, ou même deux morts, c'était fréquent en fait. J'avais même vu une fois, quelqu'un, il a creusé chez lui, dans un quartier, pas de Sanhedriam, cette fois-ci plus de Maalot Daphna, à Jérusalem. Et il creuse, il a envie d'élargir sa maison, puis d'un coup, il tombe devant des cadavres. Qu'est-ce qu'il fait? C'est très complexe. Il faut d'une part analyser, voir est-ce que c'est des juifs, on a des signes pour voir est-ce que c'est des juifs ou pas. Vous savez bien que l'enterrement chez les juifs, on est super marmire à le faire exactement comme ce qu'on faisait à l'époque, sans rien innover. Un des grands problèmes avec les enterrements, avec les nouvelles, vous savez, dans les quartiers en Israël, dans les Ramenuchot, spécialement, ils vont se mal faire, on enterre les gens sur étage, que tous les rabbinim orthodoxes s'y opposent violemment, à part tous les problèmes, et il y en a des problèmes. Mais premièrement, même si tu résous tous les problèmes, on enterre comme ce qu'on enterrait. Comme ce que mes grands-parents, on a enterré leurs grands-parents, et on enterre ainsi leurs grands-parents depuis toujours, on fait comme ça chez Israël, on enterre comme ça, on ne pose pas de questions, tu veux le mettre à l'envers, tu veux le mettre dans l'autre sens. Comme ce qu'on fait, on fait. Et ça nous aide à quelque chose de super, que lorsqu'on trouve un kever, on sait que c'est un juif. Alors qu'il y en a qui enterrent debout, par exemple. Et il y en a qui enterrent en mettant la tête entre les jambes, aussi. Chacun, avec chaque peuple, avec son tombeau. Donc, déjà, on trouve un mort, on s'intéresse à voir, oh, est-ce qu'il a les signes que ça a été une gvourat Israël? Premièrement. Une fois qu'on a constaté que c'était une gvourat Israël, on enterre en entourant avec le linceul et tout ça, on a remarqué que c'était un juif. Maintenant, on va s'intéresser. Alors maintenant, on peut présumer deux choses. Soit, il y avait ici un cimetière, on n'est pas au courant. Soit, c'était un cas unique qui s'est produit. On l'enterre ici momentanément. Et puis en fait, si c'était momentanément, donc c'était avec intention de le déterrer dès que possible pour aller l'enterrer là où il faut, il n'a pas acquis sa place. Donc, il va falloir maintenant faire de la statistique. Le principe, je vous jette très rapidement l'idée. Un mort, deux morts, c'est un cas ponctuel. Trois morts, alors là, selon une certaine fréquence, un certain éloignement, on va soupçonner qu'il y avait ici un cimetière, mais ce n'est pas un cimetière, je vous ai expliqué c'est quoi après. On va soupçonner qu'il y avait plus, et dans ce cas-là, je te demande de faire une vérification à la ronde, beaucoup plus large. Tu trouves un deuxième mort, un troisième mort là-bas, un quatrième mort, donc si on compte, ils sont peut-être fait un, deux et trois. Maintenant, tu trouves un quatrième mort plus loin. De nouveau, tu vas faire une recherche à la ronde là-bas, beaucoup plus loin. Et ainsi de suite, tu ne peux plus conduire. Parce que il peut y avoir un accident, deux accidents. Mais quand il y a trois accidents, c'est plus de trois accidents. La probabilité, la statistique, elle va plutôt nous dire non, il y avait quelque chose d'original qui s'est passé ici. C'est qu'il y avait en fait un cimetière. Maintenant, je précise, ce n'est pas exactement un cimetière. Mais c'est plutôt une Me'arat Kvarot, plus précisément. Une Shrunat Gvarot, ça s'appelait, dans la Mishnah. Shrunat Gvarot, un quartier de cercueils. Ça veut dire qu'en fait, ils enterraient dans des grottes. Je ne sais pas exactement à quoi ça ressemble. J'ai des amis qui sont déjà partis à ce qui paraît, à Sanhedria, dans le quartier de Sanhedria. On peut encore aller visiter ces grottes. Comment est-ce qu'ils enterraient? Il faut rentrer dans une grotte, on descend en dessous, et puis là-bas, ils sont creusés dans le mur de la grotte. Concrètement, je vous explique l'allure à quoi ça ressemblait. Il y a plusieurs avis, on en parle beaucoup dans Bava Batra sur ça. C'est une Mishnah donc, qui est expliquée là-bas. Mais c'est qu'il y a un carré, c'est la place où lorsqu'on veut faire le mort avec le roman funèbre, on l'amène ici. Puis après du carré, on peut descendre sur les côtés. Il y a quatre entrées. Ça se creusait, ce n'était pas une grotte naturelle, ça se creusait. Et puis là-bas, on descendait, puis on enterrait les morts avec une certaine quantité de morts, exactement comme on le fait. Avec, je ne sais plus, il fallait éloigner de le mort lui-même, il prend une ama de largeur, et il faut éloigner d'une demi-ama, et ainsi de suite. Il y avait tout un calcul assez long pour calculer comment est-ce qu'on fait dans une Me'arat Gvarot. Une Me'arat Gvarot, donc une grotte de Gvarot. Donc je reprends, retenez bien, c'est important pour retenir maintenant. Il y a la place, parce qu'on amène le mort, on lui fait l'horizon funèbre, puis après on va le descendre, on va l'enterrer. Lorsqu'on descend pour l'enterrer, on a plusieurs options pour l'enterrer. On va rentrer dedans dans un lieu creusé, où on va pouvoir enterrer, dans le sens de la longueur du mur, on a 4 places en face, 6 places sur le côté, 6 places sur le côté, et on a comme ça, imaginez, vous faites un carré, il y en a ici, il y a une première grotte, ici il y a une deuxième grotte, et il y a 4 grottes en fait autour, et comme ça, on descend et on enterre. Pourquoi est-ce que je vous raconte toute cette histoire, à quoi ressemble la Me'arat Gvarot? Parce que justement, la statistique, on va devoir évoluer quand on va trouver les morts,
C'est parce qu'on va soupçonner qu'éventuellement, si tu trouves un mort de mort, alors avec un certain éloignement, on va soupçonner que c'était une Me'arat Kvarot. Si c'était une Me'arat Kvarot, donc c'était comme c'était l'usage d'enterrer, c'est sûr que dans une certaine éloignement à la ronde, c'est sûr que tu vas trouver qu'il va y avoir encore d'autres morts. Et si t'as trouvé qu'il n'y avait pas d'autres morts, donc c'était deux cas occasionnels, c'était trois cas occasionnels. Vous avez compris le principe d'abord? Alors maintenant on va faire ça dans les mots. Amotsemet, celui qui trouve un mort. Un mort, ça veut dire un mort qui est mort de mort naturelle, pas qu'on le trouve décapité ou quoi que ce soit, parce que là c'est sûr que c'était, on l'a assassiné, on l'a enterré sur place, c'est l'assassin qui l'a enterré sur place, donc on pourra sans problème le ressortir de là-bas. Et il faut aussi qu'on le trouve Batechila, et qu'on trouve un cas isolé, unique, Mushkav, il est couché, Kedarko, comme ce qu'il faut, avec la tête vers le ciel, couché sur le dos. Si on le trouve à l'envers, c'est que ce n'est pas un enterrement de juif, c'est un enterrement de goy. Si on le trouve debout, je ne sais pas, j'ai entendu que les Arabes, ils enterrent debout, je ne sais pas exactement si c'est vrai ou pas. Chaque peuple, il a ses usages. En tout cas, nous, on voit qu'il est enterré comme un juif. Dans ce cas-là, pour le moment, c'est peut-être un cas isolé, parce que pendant ta rue, elle n'était pas présumée être un cimetière, donc c'est sûr que, donc, pour la probabilité, tu vas le prendre et tu vas notlovet dvusato. Tu vas pouvoir le ramasser, le mort, avec dvusato, ou tfusato, il y en a qui disent. C'est que tu vas prendre une petite épaisseur de la terre. Le corps, il s'est désintégré. Et donc, il s'est intégré, il s'est désintégré, et puis, il s'est infiltré dans la terre qui était autour. Toute la terre qui est pour le moment humide, qui est autour de lui. Donc, tu prendras aussi ce morceau de terre, et tu l'amènes là où tu veux, et tu l'enterres là où tu veux, comme ça tu récupères ta place. Ouais, comme le cas que je vous avais dit à Malot Daphna, le cher ami là, qui creuse pour faire la fondation de sa maison, il avait une belle maison individuelle, il a voulu l'élargir, il fait des fondations, il tombe sur un mort. Un mort, c'est pas grave, cher ami, tu peux le prendre, on le prend, on appelle une Chevra Kadisha qui s'occupe de faire ça, ils vont le ramasser, et puis on va le mettre dans un Kevar Israël. Mais imagine, après tu vas mettre le deuxième pilier de ta fondation, tu prends un deuxième mort, bon, ben, c'est pas grave, tu le ramasses. Troisième pilier, troisième mort, on te dit, oh là là, calme-toi. Peut-être que tu as tout simplement, tu es en train d'habiter dans un cimetière en ce moment. On va faire maintenant une vérification de fond. C'est ce qui se passe. Matsa Shnaim, notre land devait être Dvusatan. S'il trouve deux, il les prend avec Dvusatan, notre Fusatan, avec la terre qui les entoure. Par contre, Matsa Shrocha, s'il a trouvé trois morts, et trois morts que Imiesh Benzelazem et Arba Amot, Achmone Amot. S'il y a de l'un à l'autre, entre 4 Amot et 8 Amot. Parce qu'en fait, sans rapport, on ne va pas rentrer dans les détails parce que là, ça va devenir trop compliqué. Mais vous rappelez, je vous ai parlé de la place qui faisait 6 sur 4, et puis il y a les grottes, comme ça on descend en bas. Peut-être qu'en fait, si tu trouves entre 4 et 8 amotes, alors de deux choses une, soit c'était un des 4 morts qui était enterré dans la même grotte, soit tu as trouvé un mort d'une grotte, un mort de l'autre grotte. Mais en tout cas, tu as trouvé ici les signes qui te disent qu'il faut faire une vérification. D'accord? Par contre, s'ils sont éloignés plus, alors là, il n'y a plus de logique. Qu'est-ce qui se passe? Et l'agma, alors, elle rentre dans les détails, peut-être qu'on a gagné loin. Mais concrètement, si tu te trouves plus éloigné, alors il n'y a pas encore ici de signe qu'il y avait ici une grotte. Peut-être c'était deux cas isolés. Encore une fois, un autre cas isolé. Vous savez, l'histoire d'Israël, elle est très longue, quoi. Ça a pris 2000 ans jusqu'à qu'on est revenu vivre en Israël, par exemple. Alors, on va savoir si lui, c'était pas de l'époque ottomane, et l'autre, c'était de l'époque de je sais pas quoi, et l'autre, c'était du royaume de France, là-bas, qu'il y avait un royaume de Jérusalem. Toutes sortes de possibilités, c'est-à-dire les croisés, il y a eu les je sais pas quoi, les djihad là, avec les Arabes qui sont venus ici, et toutes sortes d'éventualités, il n'y a pas, tu as trouvé deux morts, trois morts, ça ne veut encore rien dire. C'est peut-être des cas isolés. Mais à condition donc qu'il n'y ait pas, mais dès que tu vas trouver le signe que c'est probablement ici qu'il y avait ici une Me'arat Kvarot, une Shrunat Kvarot, alors non, c'est ce que la Mishnah me dit, et Miyesh Ben Zelazé, Me'arba Amot, Adshmon Amot, s'il y a de l'un à l'autre, entre 4 amot et 8 amot, et bien dans ce cas-là, un réseau Shrunat Kvarot. Oula, cher ami, tu es probablement, tu as mis le doigt en ce moment où l'appel dans une Shrunat Kvarot, littéralement un quartier de cimetière, de tombe, c'est-à-dire dans un cimetière, ou plutôt comme à l'époque, une Me'arat Kvarot. Et de ce fait, maintenant tu as trouvé 3, alors premièrement, eux, tu les laisses, et en plus, tu as soupçonné que peut-être que dans ce cas-là, hein, c'est qu'un morceau de la Shrunat Kvarot que tu as trouvé. Mais dans ce cas-là, il va falloir que tu vérifies de l'autre côté aussi. Il faudra que tu vérifies Bodek, Emen, Ola, Alan, Esrim, Ama. Il faudra que tu vérifies maintenant 20 Ama. Dans ce sens,
et dans ce sens, ou dans, et dans, dans, de tous les côtés. Parce qu'on va savoir si c'est pas finalement une des quatre grottes de Gvarot qui était autour de cette place-là. Donc il faut que tu vérifies partout. Ok, on continue. Matza Echad Besof Esrim, maintenant il a commencé à faire des vérifications. Donc du coup, le cher ami de Malot Daphna là-bas, qui a trouvé qu'il y avait deux morts et après un autre un peu plus éloigné, du coup, il a trouvé trois. Il va taper chez son cher voisin, il va lui dire, oh là là, on est en galère, cher ami. Peut-être qu'on est en ce moment en train de vivre. Vous savez, tu sentais que la nuit, on entendait des bruits bizarres. En réalité, parce qu'on était en plein, hein, il y avait Dracula qui traînait ici, parce qu'on est on est en train de dormir dans un cimetière, cher ami. Il y avait un cimetière ici, il y a 870 ans, et puis il faut maintenant qu'on s'en occupe. Viens, on va faire une vérification chez toi, si toi tu es aussi dans le cimetière. Et alors, je ne sais pas comment est-ce qu'on va vérifier, est-ce qu'on va quoi, on va se mettre à déterrer, probablement, on va se mettre à fouiner. Comment on va faire, je ne sais pas exactement. Mais il va falloir vérifier. 20 amas de ce côté, 20 amas de l'autre côté, il va chez le voisin en face de la rue aussi, il lui dit, attends, toi aussi, il faut qu'on vérifie, il faut qu'on fasse une dika topographique profonde de ce qui se passe chez moi, ce qui se passe chez toi, et pour vérifier où s'est arrêté ce cimetière. Et pourquoi? Tout ça parce que chez Raglaïm Ladavar. Parce que maintenant, hein, il y a des Raglaïm Ladavar. C'est la phrase, l'expression, comme je vous ai dit, c'est pour ça qu'on a porté cette mission ici. Raglaïm Ladavar, il y a des pieds à la chose, il y a des signes, il y a des talons, si on peut dire aussi. Il y a des talons à la chose, il y a des traces qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer ici qu'il faut vérifier. Chez Ilo Mitrila Meso, par contre, alors que s'il avait trouvé depuis le début un cas isolé, imaginez, on n'a pas communiqué entre nous. Le voisin, lui, quand il a fait ses fondations, il est tombé sur un mort, bon, il a mis au cimetière, et moi je le fais. Et personne n'a rien dit à quoi que ce soit. Alors là, on a un cas isolé, un cas isolé, un cas isolé, on a réussi à passer entre les maillons. Chez Ilo Metsa, Dmitri Lamassa aussi, il avait trouvé de la sorte depuis le début. Notre Lovet Dvusato, il se serait contenté juste de prendre lui avec sa Dvusa ou sa Tfusa, avec la terre qui l'entoure, et c'est tout. Mais maintenant qu'il en a trouvé tellement, qu'il en a trouvé trois, et qu'il continue à trouver un quatrième et un cinquième, à chaque fois il repart pour 20 amas supplémentaires, et voilà. D'accord? Et donc il ne pourra plus reprendre leur place pour faire ses fondations ici, parce qu'en réalité, tu as construit ta maison sur un cimetière, donc tu le laisses sur le cimetière, tu as perdu ta maison, tu vas ailleurs, et puis il y a du mal à sortir, rien à faire, d'accord? Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine de Hatzlacha, tout, c'est là.